Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. Donc, je retourne une session assez rapidement après la dernière parce que j'avais envie déjà d'une. Et deuxièmement parce que bah, le jeu est bon et puis parce qu'il faut que je tourne. Du coup, nouvelle région dans la neige, on s'en rappelle bien. Du coup, bonjour, vous êtes trahison. Les gardes du corps de Ogbur, peau de pierre, le conduisent dans une embuscade. D'accord, pourquoi pas. Takra, d'accord, ok, bah, vu qu'on est juste à côté, je me disais qu'on pourrait peut-être faire ceci. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Flac Léonté passe une épreuve consistant à tuer un Karagor vorace. Pouah. Il va s'en sortir en flac. On va aller voir ça. Où que c'est passé? Par là. Et il faut que j'aille par là. Ah non. Ah si, il y a bien quelqu'un qui m'a vu. Coucou. Quoi? Ça se permet des choses? Y'a des viewers qui se permettent de récupérer mes forteresses. L'air de rien. Bon bah écoutez, tant mieux. Enfin, je pense que c'est un viewer. S'ils ont que ça à faire. C'est peut-être la feature qui m'intéressait vraiment le moins. Avoir un aspect PVP dans le jeu, ça me plaisait pas du tout. Bon, on va se mettre dans le jeu quand même. Allez-y, venez. Hop, merci d'être venu, au revoir. Ok, bon bref, on n'est pas dans la mission, c'est pas grave. Crac. Mais ouais, je suis pas convaincu par la partie PVP. Enfin, faut dire c'est des jeux... Enfin, moi le PVP de base, j'aimerais pouvoir par exemple, quand c'est... quand c'est quelque chose qui te... Vous savez, qui... Qui peut t'arriver... Sans que t'en aies vraiment envie, je préférais que ce soit désactivé. Je préférais plutôt qu'on me dise « Ah, attention, il se passe quelque chose avec un événement PVE. » Quand c'est alternatif, vous savez que ça pourrait être du PVE. Ouais, bon bah. Hop, allez, bouffe-le. Oh merde. Hop, allez. Empoisonné. Merde, ils l'ont tué. Bon bah tant pis. Je voulais le prendre. Bah écoute, tant pis. Pas de soucis. Dommage. Cette dague est de niveau 28. Quand même. Je peux augmenter le niveau de celle-là? Non. Défi non terminé. Ok. Recruter. Un orc de la tribu fauve de niveau 40 ou supérieur. Bah disons, j'y suis pas encore. Ah oui, parce qu'il faudra que c'est ça qui me montrera niveau 40. Ok, le cas échéant. Pas de soucis. Je viens de comprendre. Why not? Why not, why not? Ça c'est quoi? L'invité indésirable. Alors qu'on organise un banquet pour éviter le pillage de Mina City-Île. D'accord. Pourquoi pas? Alors, je vois ça. Ça m'intéresse pas des masses. Bon bah, mission principale alors. Go for it. Idril ne quittera jamais le Mordor. Salut les filles. Il est où? Il est là. C'est bien ce que je crains. Apparemment, on peut peut-être gagner du temps. Peut-être pas en passant par là, mais. Hop, les mange! Aïe, mais hé, je t'ai rien fait! Bon, bref, perte de temps. Ennemi lambda. Vous n'êtes pas de mon calibre! Hop, les. Coucou! Hop, ah, ça c'est à moi. Merci. Ah, ça aussi. Merci. J'ai laissé des choses la dernière fois que je suis venu, apparemment. Hop là. Crac. Allons-y. Hop. Allons voir. Que diriez-vous d'une petite chasse au trésor? Ce que nous avons à faire. Les rôdeurs aiment chasser. À quoi pensez-vous? On peut compter sur les Uruks pour certaines choses. Leur amour du sang, des trésors et du grog. Oh, je sais faire ça. Je comprends comment vous avez survécu si longtemps. Comme nous, ça, je sais faire. Assez nombreux pour les attaquer sur le champ de bataille.
Nous comptons sur la discrétion et la vitesse pour rester en vie. Appelez. Et tuer quelques ennemis. J'aime bien. Vous voyez comment il en chie là. Le mec est censé avoir l'agilité d'un elfe. Enfin bon. Nous avons récupéré certains des artefacts qui ont été volés dans la grande salle. Chaque morceau du Gondor que nous leur reprenons est une victoire. Ok. Voilà. Je vais lui têter à l'éponge. Lui défoncer les crabouilles. Lui traver. Oh le pauvre. Je me comprends. Ouais, c'est bien de se comprendre déjà. Je croyais qu'ils allaient tous quitter le Mordor. Allez, buvez un coup. Ah! Ça y est, ça commence à gerber dans tous les sens. Ah! Grosse soirée ce soir! Oh! Oh, c'est dégueulasse! Cachez-vous dans les buissons. Fallait que je me cache vraiment dans des buissons? Tu te fous de moi un petit peu là, non? Cachez-vous dans les buissons. Comment ça, cachez-vous dans les buissons? T'es sérieusement en train de me dire qu'il faut que je trouve un buisson dans lequel me cacher? Où sont les buissons en question? Vous quittez la zone de mission? Bah non! Cachez-vous dans les buissons, voilà. Flaque le corrompu! Ah bah oui, bois un coup! Quoi? Bah non, bois pas un coup! Car vous êtes en vie et demain vous pouvez mourir! Les richesses de Minas Sithil nous reviennent désormais! T'as pas encore bu, hein? On est d'accord, il a pas encore bu. Je l'ai pas vu boire. Le voilà. Et voilà notre trésor. La main! La main! On va essayer de l'avoir uniquement en. Grâce au grog. On va voir si c'est faisable. Oh, y'en a qui me repère. Y'en a qui me repère. Vous comptez rester là en fait? C'est ça? Oh, ils m'ont tous vu. Bon bah allons-y alors. Tu veux qu'on te rende ton or, tes vieilles babioles? Oh. Mais ça ne t'aidera pas. Rien ne pourra t'aider ici. Non non, je veux juste. Ah. Tant qu'elle est une dans la tête. Hop, non, 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 attends, attends, ta malédiction, tu te la carres. Très profond. Où est-ce qu'il est passé? D'accord. Ok. Juste faire attention à sa malédiction à la mort moelle-neuve. Hop les bouf. Hop les merci pour le petit coup de main. Bravo. Je peux le. C'est pas passé loin. Il voulait pas passer avec A et B. Donc bon, on le recrute. Ne deviens pas une flaque. S'il
te plaît. Merci. Bah, en retraite, y'a pas de soucis. Je m'en vais. Ouais, bah attends. Alors les filles, y'a un problème ? Dommage. Ouah, tout ça pour un verre. À mon avis, c'est l'une de nos plus belles réussites, immortelle. Ouah, génial, un pillage. Elle me paraît bien loin, la jeune fille effrayée que j'ai rencontrée dans la ville basse. Pardon, excusez-moi. Celle qui vous a sauvé. Oui, vous n'avez plus de barbe. Donc celle-là même. Donc il y a plus de barbe. Barbe quoi, c'est bref taillé quoi. Ok. Oh oui, donne-moi des ordres. Puisqu'il n'y a aucun lien entre les quêtes, donne-moi des ordres. Alors du coup, je voulais voir, parce que normalement il devrait y avoir un truc au niveau de l'empoisonnement du grog. Consommation, chasseur de trésor, frappe de l'ombre, tir puissant, oiseau de proie, immobilisation glacée. Brutalisation, liane empoisonnée, voilà. Contagion, les ennemis buvant des fûts de grog empoisonnés deviennent fous et attaquent tout le monde autour d'eux, ce qui répand le poison, c'est intéressant. Toxine explosive, ça fait quoi? Ont une chance d'exploser, tu te fous de ma gueule? Quoi? Mais ça n'a rien à voir. Il le bute et après il explose. C'est pas terrible. Ça, ça peut être pratique. Je pense que je vais plutôt partir sur la contagion. Ouais. Le mode zombie, quoi. Ça va être intéressant. Et ça, il va falloir qu'on l'utilise un peu plus. Je trouve que c'est sympa. De toute façon, là, je vais l'utiliser un peu de plus en plus, mais les différents pouvoirs. D'ailleurs, j'en suis très content de mes pouvoirs. Ils sont tous très très bien. Alors, tu me dis qu'il faut que j'aille... Ah oui, c'est parce qu'on est encore dans le... Mina City est perdue, mais le Mordor peut être à nous. Oh là, le spawn de tous les ennemis dans le coin. Hop les. Boum. Salut les filles. Je sens leur magie s'affaiblir. Raté. Tu viens avec moi du coup? Bon, voilà. Ok, toi aussi t'as loupé. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi du coup? Oui. Bon, génial. Perdu aussi. Allez, bien joué. C'est une belle aux prisonniers en fait. Ceux qui n'arrivent pas à me toucher viennent jouer de mon côté. Et jusque là. Ah, tu m'as touché toi. Joué. Bien joué, bien joué. Ah, tu l'as écarté de trop, dommage. Bon bah voilà, bon bah en gros j'ai gagné hein. Faut dire ce qui est. Quête. C'est tout simple hein. D'ailleurs je regarde à peu près où je suis à 13 minutes. Pourquoi j'ai le... Ok, c'est ici, c'est bien, c'est pas à 3 km par exemple. Déplacement rapide. En tout cas, là, il y a une chose à dire, c'est que voilà, vous voyez, les déplacements rapides sont vraiment des déplacements rapides. C'est vrai, les orques comptent dessus. Sur le premier, parfois, je doutais. Hein. Bien sûr, t'aurais pu, je sais pas, moi, monter sur la tête, mais non. Hop là. Voilà. Salut. Attendez, parce que là, je vois... Je vois du grog par endroit. On peut peut-être voir comment ça se propage. Il y a personne autour, ça qui est dommage. Bonjour. Vous ne voyez rien, vous inquiétez pas. Bon, bah, y a pas trop de grog avec des gens autour, malheureusement. Si, là-bas, non. Non. Autant pour moi. Bon, bah, tant pis. Hop. Vous voyez, là, ça, c'est pas trop mal. Ça correspond plus ou moins à ce que je voulais faire. Mais sinon, c'est vraiment hasardeux, hein. Sympa dans le coin. Guerre et conséquences. De nombreux soldats gondoriens sont encore prisonniers. Et des Baranor à libérer ses hommes. Ça va être stylé encore ça. Baranor. On va encore faire en sorte que ça ait de la gueule. Oula. En parlant de gueule, t'as... Oh, voilà. Il y avait un truc qui allait pas au niveau de ta tête. Pour un seul homme. D'accord. Prenons chacun un flanc et rejoignons-nous. C'est un flanc, mais un flanc à quoi? Baranor. Flanc vanille, flanc abricot. Prudent. Je la ferai pas. Oula. J'ai les pieds dans le sol. J'avais les pieds littéralement. Oula. Est-ce que c'est normal? Apparemment c'est normal. Juste que c'est de la boue en fait.
Ok. Il y a de la hauteur, il y a de l'altitude quelque part? Bon, malheureusement pour lui. Hop là. T'es mort. Une tête vient m'affronter. Oh. C'est tellement rigolo. Hop là, toi tu viendras pas. Toi tu viens jouer avec moi. Hop, merci, toi tu reviens pas. Oh. Ah, il est revenu. Merde. Viens jouer avec moi du coup. C'est bon? Non, je sais pas. Ah, viens jouer avec moi, quoi. T'étais déjà bleu de base, de toute façon. Bon, voilà. On a vu que nos copains s'en débarrassent. Oh! Mais t'es attaché. Oh là 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 là, le jeu. Mais le triple A de la merde, quoi. Wouah! Mais merci. Bref. Une bonne tranche de rigolade. Il est bon celui-là. T'as cru avoir vu quelque chose, mais finalement. Ce sale humain. Ah bah si, tu m'as vu. Bon. Arrêtez ça. Pitié. Et si je me dégage, je te réclame. Tu quoi? Merde. Où que c'est que c'est? Mais c'est nul, il n'y a pas d'interaction possible. Bon. Là, ça va aller. Tu vas avoir tes médicaments. Bon. Toi, t'es bien attaché. Pas de soucis. Mais alors, il y en a d'autres, franchement. Je me pose la question sur le mec qui les a attachés correctement, quoi. C'est con, y a... Ouais, bah t'es trop loin du grog en question. Tiens, attends, regarde, on va faire un truc. C'est que je te rapproche du grog, n'aie pas peur. Quoi? Je suis assailli par des visions troublantes ces temps-ci. Je dois chercher conseil auprès de la flamme sombre. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Regarde. Hop, I believe I can flop. Hop. Ah, tiens, et tiens. Ils sont deux ici. Allez! Ah putain, je sais pourquoi. Excusez-moi. Voilà! Allez-y! Bon, maintenant on rigole, normalement. Allez. Hop, on boit un coup. C'est bien! C'est de la bonne, hein? T'as vu ça? C'est le meilleur grog que t'aies jamais bu! Tu trouves pas? Moi je suis sûr que c'est le meilleur grog que t'aies jamais bu, pardon. Arrêtez ça! Pitié, arrêtez! Ça y est! En parlant de verre d'ailleurs. Ça en fait de plus en plus, regardez! Regardez! Oh! Oh, c'est génial! Ils se gerbent les uns sur les autres et ils deviennent des copains. Enfin, ça dépend. Tiens. Il s'est fait gerber dessus, genre vraiment bien lui. Oh, c'est tellement efficace. Regarde. Hop. Ah bah merde. Merci.
Hop là. Et voilà, il n'y a plus personne, Gaston. Problème résolu. Non, c'est... Faut le détacher. Hop là. Bien. Vous ne comprenez pas. Il faut partir. Mais non. Oula, je lui ai mis profondément dans le... Bonjour. Quand je pense à toutes les choses qu'on lui réserve... Toi. Oh, Baranor. Oh merde. Mais on doit se mettre en route. A plus. What? C'est malheureux, je sais. Votre capitaine est parti. Mais je m'apprête à te faire subir des choses dont tout le monde ignore jusqu'au nom. Ouh. Je dis oui. Il est parti de chez parti? Ah oui, il est parti quoi. Tiens, une petite exécution de la maison. Je suis empoisonné genre méchamment. Je suis réempoisonné genre méchamment. Oula. Ça c'était quoi? J'aimerais bien qu'il vienne m'attaquer le petit. Viens m'attaquer petit. Petit. Ah merde. Tu sais qui va le faire? D'accord, ce sera toi. Hop là, raté. Voilà, le petit s'il te plaît, attaque-moi. Bon. T'as pas l'air d'être méga décidé. Ça y est, tu te dis... Merde, il est hanté, le pauvre. Par contre, c'est arrivé au mauvais moment, quoi. Oh, bah tiens, regarde. Feu! Hop là. Cadeau! Encore? Mais c'est que tu me pètes les couilles! Hop là! Bon allez. Ah! Il me saoule lui aussi. Ah! Ah! Je ferai une soupe avec son sang! Ah mais non, alors là non. Je suis désolé, j'ai appuyé sur A et tout. Bon bah là je suis mort. Ça m'énerve, c'est qu'à mon avis, quand on fait un effet à un ennemi, que ce soit une exécution n'importe quoi, il y a un laps de temps avant que ça arrive. Il y a une espèce de cooldown à la con. Et franchement ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles à chaque épisode, ça arrive à chaque épisode. J'appuie sur le bouton mais il ne se passe rien parce qu'il y a un cooldown à la con. Franchement ça me... J'adorerais que tu puisses voir ça. Mais on doit... Parce que en fait le A plus. La voilà, la réactivité est bloquée par une espèce de truc de gameplay débile. Et je m'apprête à te faire subir des choses dont tout le monde ignore jusqu'au nom. Allez, dépêche. Là, je vais te foutre une branlée mais alors monumentale. Quoi? D'accord, j'ai pas le droit de le... Alors, je précise, ce que je voulais faire, c'était le taper avec de la glace. Mais apparemment, je ne peux que venir le prendre au corps à corps, pour une raison absolument inconnue. Et là, bizarrement, il y a 40 000 personnes autour. Tiens, regarde, d'ailleurs, ça fait un peu moins de personnes maintenant. Voilà. Allez, une première exécution, tu vas pas apprécier normalement. Ah bon, bah là il n'est plus... Hop. Là il est plus hébété par les exécutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon, c'est pas grave. Bien, merci, mais
Attends, je vais te donner un ordre, on va rigoler. J'aimerais que t'ailles infiltrer cet homme. Pourquoi pas? Merci. Maintenant ton copain. Hop, bouffe. Là ça veut bien. Bizarrement, quand il n'y a pas d'enjeu derrière, ça veut bien. Bouffe. Allez, mange. Et là, le B ne tient pas. Ça y est, là, le B tient. Hop, et c'est bon. Vous avez vu, ça fait... Absolument stupide. Il y a des bugs dans ce jeu, c'est incroyable. Alors, je sais que le premier était assez bugué, mais ça passait. Mais il y avait eu des fixes créés par des fans que tu pouvais choper sur des sites alternatifs. Et donc tu pouvais fixer ton jeu pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais alors, de là on arrivait là. What? Tu sais quoi, j'aimerais que tu essaies d'aller prendre cette place là. T'as un serpent, t'as un bon nom, c'est assez stylé. Allez, merci. Du coup, on va avoir des gens qui vont avoir des choses à faire, malheureusement. Oui, c'est vrai. Bonjour. Tu gâches mon écran de fin. Je suis désolé. Ou alors tu le rends super... Voyez la merde, des fois. Je me fais frapper pendant un écran de fin. Vas-y, reviens. Raté. Viens, donne-moi ta vie. Merci. Hop là. Et moi aussi je te baise pendant un écran de chargement. Voilà. Vengeance personnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La congélation. Tempête de glace, ça c'est intéressant. Tous les ennemis dans une zone devant vous, ça pouvait être sympa. D'accord. Peut-être qu'on a autre chose à prendre aussi. Coup critique, nanana, vos chances de critique augmentent quand votre santé diminue, ça pourrait être intéressant, mais non, vos chances de critique augmentent nettement quand votre compte... Ça non. Ok, ça c'est basé sur le skill. Sachant qu'on ne peut en avoir qu'une. Forcément. Ça c'est quoi? J'ai dit. Réussissez votre dernière chance au parfait moment, d'accord, ok, non, m'intéresse pas. Amélioration, feu de violence, un objectif bonus est ajouté aux menaces de mort. Accomplissez-le pour gagner des récompenses supplémentaires. Ouais. Spectre mortel. Ah oui, je voyais pas la différence. L'autre spectre d'aidera sa cible. Ça peut être intéressant. Une brutalisation en chaîne, ça peut être sympa aussi. La brutalisation fait faire davantage d'ennemis. Férocité inflexible, l'abritation vous donne un bonus de puissance au compteur de coups. Ça peut être intéressant aussi. Il n'y en a que deux? Il n'y en a que deux. Ah. Il peut dévorer en mode silencieux, pourquoi pas. Rage spéciale. Oh, d'accord. Échappelle donc, d'accord. Furetana, d'accord. Puissance, bon. Chef de meute. Briseur de caragor. Moi c'est plus ça qui m'intéresserait, mais j'y ai pas. On peut lancer des boules de feu même lorsque votre puissance n'est pas pleine. Je veux tout. Ah oui, impulsion de l'ombre alors. Oh, de l'Orienne. Améliore votre esquive pour mettre de passer en un éclair à côté de vos ennemis. Consomme de la concentration. D'accord. Ah oui, c'était ça. Ça c'était important. Ça c'est important. On va gagner du temps là-dessus. Et surtout, je pense que ça ne va pas. Ah, on verra si ça donne une résistance au froid ou pas en cas d'adaptation. Ça peut être intéressant. Il y a une... On va y aller, on va aller se faire le petit combat là, histoire de voir ce qu'il en fait. Et donc là... C'est intéressant. Bon, c'était un allié, hein, donc je me suis permis. Hein. Ok, c'est pas grave. Hop, on appelle un... Bonjour. Prends pas garde. Un garde qui ne prend pas garde. Je fais une référence dans les anneaux dans la table du milieu. Oh!
C'est pas ce que j'avais voulu que tu fasses, mais écoute, c'est cool. J'ai l'impression presque de t'avoir donné l'ordre en plus, donc c'était encore plus sympa. Hop là, allez, grappe. Allez, Carrier, allez, allez, Carrier. C'est bien, hop, bonjour. Ah, c'est par là. Hop là. Mais non, ça c'est ta bestiole, Marcus. Wow. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lumière dans cette zone? C'est parti. Goura, barbe de métal contre Boost, la servisseur. Commandant, et tu peux. Donc j'ai peur qu'on ait d'un côté lui tout seul et l'autre plein de monde. Mais bon, on verra bien. Voilà, c'est un peu ça. Commandant. T'es pas terrible. Commandant. C'est une référence. Atlantide, le dessin animé. Commandant. Commandant. Elle dit ça tout le temps en fait. Vu qu'il veut pas l'écouter, et qu'au bout d'un quart d'heure, il se dit bon bah je vous écoute. C'était stylé. Continue comme ça. Ah bien ton bouclier, tu le lèves au moment. Par contre, les mecs le frappent, ils sentent rien du tout quoi. Ouh, le coup qui fait mal. Oh oui, vas-y. Boum. Oh le coup de... Ah, il a une pique au bout de la... Donc c'est une hallebarde. Il peut s'en servir comme... donc sur le côté comme ça. Il y a un pic à l'extrémité. Et il y a un pic... il y a un pic à chaque extrémité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et boum. Oh la chaîne. Oh. Oh. Apprends le respect. Oh. C'est pas une chaîne, c'est un décapsuleur pour orc. C'est bon ça. Ah. Oh cette blague. Ce décapsuleur orc. Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est ancré dans sa face. Trahison. Alors du coup, c'est qui Takra? 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 Ah c'est toi Takra. Oh. Oh. Oh si j'arrive à passer quelqu'un ici. Le forgeur d'armes, c'est sympa. Les jumeaux, ah j'aimerais bien que ce soit les jumeaux qui prennent la place. Le tauride, ouh. Toi, mon ami tauride, tu vas aller prendre une place là-bas. Ça me semble intéressant. On va peut-être se retaper un deuxième combat du coup. Ouais. Pas de soucis. Voilà. Crac. Oh, il est stylé aussi, lui. Je te déconseille de me sous-estimer. Bats-toi jusqu'au bout. Le mangeur de nains. Il a le bon nom, lui. Il est beau. Il est torride. Allez, pouf. Et t'as 4... Ah, ça y est. T'as 4 niveaux de plus. Ça va peut-être réagir. Pas question. Il a un feu vert sur la langue, en plus, de con. Allez, pouf. Ah. Allez, bouge-toi le fion. Non. Ah, il y en a ras-le-bol de se faire choper au corps à corps, donc il y va du coup. Oh, sweatshot. Oh, sweatshot avec explosion. Oui. Le mec il est en feu, il est vraiment torride en fait. Il est torride, ce sera le nom de l'épisode. Le torride. Je suis désolé, et ce sera l'image hein. Je mets un petit cœur, on verra si je peux le mettre sur le don. Le tauride. Il est bagasse. Mais du coup, quelle place il a prise du coup? Est-ce qu'il a vraiment pris la place du... Oui. Et pourquoi il n'y a personne là du coup? Le goinfre. Oh, le goinfre. Est-ce que tu veux récupérer ta place? Récupère ta place. Trop plein. Trop plein. On va voir s'il leur dit. Oh bah il va le défoncer. Oula. Oh il est tellement stylé. Crook le sadique. Oh, oh dommage. Trop plein. Il continue. Trop plein. Oh. Oh. Oh.
Et boum. Voilà. C'est dommage. Oh, le shot. Raté. Oh, il s'en est quand même pris une. Oh. Non, je prendrais pas la peine de te taper. Je te tourne le dos. Je te tourne le dos dans l'irrespect le plus total. Ok. Ça c'était pas une flèche d'un copain. Oh. Allez. Oh. Oh, ça va faire mal. Oh, je sens que le finish va être douloureux. Le Fusroda par contre. Oh là. Oh. Oh. Oh, et il l'a enfoncé dans la neige, dis donc, ouais. On le voit plus, dans la neige. Il est littéralement dans la neige. Croucle dans la neige. Ok. Why not? Donc il monte niveau 27, c'est cool. Bon, bah voilà. Je rêve ou... 90% de... On va dire que 75% de l'équipe adverse est dans mon côté. Voilà, c'est bien ça. Ok, on va s'occuper de Takra. Mais dans le prochain épisode, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour le temps. N'oubliez pas de liker et de partager. Salut les gens.